Dans cette séquence, nous allons parler de l'opposé d'une matrice. Il faut faire le lien avec les réels. L'opposé de 2, alors attention, vous ne vous trompez pas, c'est moins 2. Donc l'opposé de la matrice A, ça va être moins A. Donc on avait vu que dans la séquence précédente, moins A, ça veut dire que tous les coefficients de la matrice A vont être multipliés par moins 1. Donc si on fait un exemple, faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et puis venez voir si vous avez juste. Si je veux l'opposé de B, c'est-à-dire faire moins B, donc ça veut dire que tous les coefficients de B ici, ils vont être multipliés par moins 1. Donc ça veut dire que moins B vaudra 7 fois moins 1, moins 7, moins 3 fois moins 1, 3, 1 fois moins 1, 5 fois moins 1, moins 5, moins 1 fois moins 1, 1, et 2 fois moins 1, moins 2. Donc voici l'opposé de la matrice B.